Nous nous sommes rendus aux Fraises, petit village du Monastier-sur-Gazeille, chez Monsieur Galin, exploitant en ovins et transformation de porc charcutier. Pour l'alimentation de ses animaux, il utilise le système de séchage en grange avec capteur solaire. Donc on a investi dans le séchage en grange depuis 2007. L'avantage du séchage, c'est la qualité du fourrage, avec un fourrage précoce et un foin très vert et très appétant. Et l'objectif au départ, c'était de diminuer les concentrés. Alors le système du séchage en grange, c'est en fait on rentre du foin à moitié sec, qui est récolté en vrac avec une autochargeuse. Et donc le foin est fini de sécher avec une soufflerie. Le foin est posé sur un caillebotis et l'air est soufflé par-dessous. Et donc l'avantage de ce qu'on a construit, c'est on récupère la chaleur du toit qui rentre sur les extrémités sous le toit, qui se réchauffe sous les plaques, qui permet un séchage beaucoup plus rapide et un débit de chantier beaucoup plus important. Ce système lui permet de gagner du temps sur la récolte des fourrages, d'avoir une meilleure qualité du foin et d'économiser 30 à 40% d'énergie selon l'ensoleillement.